Evan de Souza dans un sketch de Fernand Reynaud. Papa, quoi? Comment il peut foncer dans l'eau, dit papa, les sous-marins atomiques? Parce qu'il paraît que d'un côté, il n'y a pas de moteur diesel, il n'y a pas de moteur électrique, on en parlait justement encore à la récréation. Comment il peut fonctionner dans l'eau, dit papa, les sous-marins atomiques? C'est étudié pour... Je comprends pas que c'est étudié pour seulement... Moi qui ai que 9 ans et demi, et avec les nouvelles méthodes d'instruction scolaire, je ne sais pas grand-chose. Mais je crois savoir, comme le commun des mortels, c'est-à-dire n'importe quelle andouille sur Terre, que si l'atome est la plus petite partie d'un corps simple et la molécule la plus petite partie d'un corps composé, comment se fait-il que l'on puisse désintégrer un atome? Non pas d'une pression atmosphérique, ne nous leurrons pas, mais dans une pression hydraulique. Qui dit hydraulique? Une partie d'hydrogène, une partie d'oxygène. Oh, Einstein a dit que nous avons, en descendant la théorie, du joli au curé, au centimètre dans la planète, vous savez que t'es salade. Qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, les atomes et les molécules, comment ça fonctionne? Hein? J'ai déjà du mal à rouler un vélo, alors... Qu'est-ce que tu veux que je sache, moi, les atomes et les molécules, comment ça fonctionne? J'aurais tant aimé avoir dans mon foyer un réconfort moral, une tribulation. Lorsque Einstein... Fous-moi la paix, Einstein! Je veux pas histoire avec les voisins. Mais papa, écoute, Einstein, c'est pas un voisin. Et tout le temps, il sort... Et tout le temps, il parle, ce gossin. Et gna 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 gna. Oh, fous-moi la paix. Je suis ton père, hein. Moi, je suis de ma maison. T'es mon fils, alors fous-moi la paix. Je rentre comment ici? M'énerve, ce gossin. Et gna 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 gna. En plus, j'étais en train de dire, je sais plus où j'en suis. Tintin, dis à Milou, t'avances plus fort. Mais papa... Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Fous-moi la goutte. Pose-moi des questions qui n'est pas écrit aux atomes ou aux molécules et je te répondrai. Tu ne me répondras pas. Je sens que tu ne veux pas me répondre. Papa, pourquoi? Où il sort, ce gosse? Mais si je veux te répondre, mais pas les questions sur les atomes et les molécules. Je me le jure, papa. Oui, je te le jure. Bon, mais toi, tu as une chouette question, moi. Papa, quoi? Pourquoi que les vaches, elles sont des cornes, et puis que les chevaux, ils en ont pas? C'est étudié pour... Papa, quoi? L'autre jour, il pleuvait. Et en voyant cette pluie bienfaitrice qui crée sur le sol des petits rues qui allaient remplir des ruisseaux qui eux-mêmes allaient empiffrer des fleurs, je me suis dit, papa, il y a des milliards d'années, qu'il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui descendent des fleuves et qui vont dans les océans. Continuellement, pourquoi que les océans, ils finissent pas par déborder? Eh les éponges, qu'est-ce que t'en fais?